Bienvenue à tous les passionnés de construction et de parcs d'attractions, content de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce Let's Play sur Planet Coaster. On a commencé par un petit peu de construction, j'ai fait le stand d'information juste ici, à la sortie de l'attraction des bateaux. Et il y a ce petit bout de rocher ici que j'ai pas pu enlever car il est en-dessus d'une allée. Donc il faut enlever l'allée pour enlever ce petit bout de terrain. Et si j'enlevais l'allée, c'était compliqué, ça me déformait tout. Donc je l'ai laissé, on trouvera un moyen pour le cacher. À côté de ce stand d'information, on a un petit passage qui donne sur une place où on peut profiter d'une vue sur Tangaroa. On peut voir le splash. C'est un bon petit endroit pour attendre quelqu'un qui a fait l'attraction. On peut le voir arriver. Et j'ai aussi modifié un petit peu la station avec ce petit bâtiment et cette entrée. J'ai également construit l'endroit où l'on peut acheter la photo souvenir de cette attraction. Donc plutôt bien placé, directement à la sortie de l'attraction. J'ai essayé de soigner un petit peu les détails, pas mal de petits objets. Et on a cette affiche ici qui nous indique le prix des photos, même si en vrai, ce n'est pas ça qui est indiqué sur cette affiche. Mais bon, c'est pas trop grave. Et il y a ces deux écrans ici qui sont directement à la sortie. On peut voir la photo qui vient d'être prise. Et j'espère que ça va donner envie aux spectateurs d'acheter la photo et de donner un petit peu d'argent à notre parc. En inter-épisode, je me suis également occupé du shop, le Pirate Shop, que voici. Donc avec tous les petits souvenirs style pirate qu'on peut acheter. Ici, il y a des petits bracelets, des lingots d'or, des boucliers pirates, des cartes au trésor, des petits bateaux, des mugs, des sacs, des petits perroquets. En fait, j'essaie de trouver un maximum d'objets sur le thème pirate à vendre dans ce shop. La couleur des objets, je l'ai fait en brun. Peut-être que je vais changer. On va peut-être utiliser du noir. L'un d'entre vous a mis les employés en noir dans le projet du concours et je trouve que ça donne plutôt bien. Donc, il se pourrait que je change encore la couleur de ces objets. Dans le dernier épisode, j'avais dit qu'il serait bien de terminer cette zone pirate avant de regarder les projets du concours. Je pense pas que ça va être possible, il y a encore beaucoup de boulot et vous avez jusqu'à demain pour rendre votre projet, donc on va être un peu juste, mais c'est pas grave, on va faire dans un ordre un petit peu différent, on va prendre le temps de bien terminer cette zone pirate. En plus, à présent, on va prendre un petit peu de temps pour parler d'autre chose. Notre parc comporte quand même pas mal de défauts, notamment au niveau de tout ce qui est backstage, ça manque cruellement de backstage. Et un autre grand défaut de ce parc, eh ben, c'est sa forme. Voilà, j'étais jusqu'au bout des limites. Du coup, on a quelque chose de très carré, un parc qui est délimité par ce carré ici. Et c'est pas très joli finalement, c'est pas très réaliste. Je m'étais dit qu'on ferait avec, que j'avais pas trop le choix. Mais depuis le dernier épisode d'Alban 12 qui nous a fait un tutoriel pour agrandir le parc, eh bien, tout ceci va pouvoir changer. Donc, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc, un grand merci à Alban 12 d'avoir donné cette astuce. Ça va pas mal changer notre parc. On va pouvoir agrandir le parc jusqu'à ses limites ici, plus ou moins. Et on va donc pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus réaliste sans être embêté par ses limites du parc. On a beaucoup plus d'espace. On va pouvoir faire une jolie entrée, un parking. On va pouvoir agrandir et rajouter des zones de staging. Ça va rajouter pas mal d'épisodes supplémentaires au final, mais c'est plutôt cool. Il va falloir casser cette ligne droite ici, ça va être le plus compliqué. Pour le reste, c'est pas trop un problème. Je trouve que ça va être assez intéressant de devoir trouver des solutions pour intégrer ces nouvelles parties du parc. Ce qu'on va faire, on va déjà donc agrandir cette map. Donc, je vais pas vous expliquer en détail comment il faut faire. Si vous voulez savoir, allez regarder l'épisode 31 d'Alban 12. Mais en gros, ben voilà, on passe par l'éditeur de scénario et cela nous permet d'agrandir le parc. Donc on va agrandir ce parc au maximum. On ne va pas utiliser toute la place. Du coup, le but, c'est d'avoir des limites un petit peu irrégulières, quelque chose donc de plus réaliste encore une fois. Donc dans la largeur, on peut élargir jusqu'ici et dans la longueur, ça nous donne ceci. Voilà qu'on a beaucoup plus de place. Donc, on va quitter le mode scénario et revenir à notre jeu. C'est un petit peu compliqué, ça prend du temps, il y a pas mal de temps de chargement à attendre, mais ça en vaut la peine.
Voilà, j'ai quitté l'éditeur de scénario. On est sur la version entre guillemets normale de notre parc, mode bac à sable. Et on peut voir que la limite n'est plus ici, mais elle est jusqu'ici. Il y a le petit treillis. On a gagné pas mal de place. Le parc a racheté du terrain. Du coup, ben, je suis comme un enfant qui a reçu un nouveau terrain de jeu. On va pouvoir vraiment modifier tout ça. C'est trop cool. J'ai commencé à pas mal réfléchir à comment faire tout ça. Je ne vais pas vous montrer en détail la mise en place, mais je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai déjà un petit peu en tête, les premières idées, et le reste, comme d'habitude, viendra par la suite. Donc, voici les modifs que j'ai déjà faites. J'ai surtout aplani le terrain pour l'instant. Et ben, on va regarder ensemble ce que j'ai déjà un petit peu en tête pour agrandir ce parc. Donc j'ai prolongé le cours d'eau. Ici, on va certainement faire un parking. L'entrée de ce parking, l'accès viendra depuis la ville qui est juste derrière. Donc on a ce tunnel. Donc je pense que le chemin d'accès arrivera plus ou moins par ici. Cette fois-ci, on va faire attention de ne pas aller jusqu'au bord ici. On va modifier un petit peu le terrain. Alors on fera quelque chose de une belle transition en fait pour qu'on ne voie pas les limites. On va profiter de cette occasion pour modifier notre entrée. C'est vrai qu'elle n'était pas très réaliste là en arrivant dans ce petit tunnel. Il faudra aussi casser cette ligne ici. On verra, on fera des reliefs supplémentaires comme ici la montagne pourra continuer un petit peu plus loin. Et donc, on va rajouter des zones de backstage. Celle-ci va certainement changer pas mal. On va l'agrandir. On va en faire d'autres à d'autres endroits. J'ai déjà préparé ce petit chemin qui descend ici pour arriver au niveau de la zone western de retour vers le futur. Et il fallait trouver un accès à cette nouvelle zone. Alors il n'y avait pas beaucoup de solutions. Il y en a une, elle est ici, à la place de cette zone de pique-nique. On va pouvoir faire un chemin qui traverse ici sous nos coasters et le monorail. Il n'y avait pas d'autre endroit, sinon tout le reste est bien fermé. Heureusement qu'on a cette petite place, ça va être parfait. Donc on accédera par ici et dans cette zone, on va construire ici un hôtel. Ce sera donc un hôtel style western et on pourra ajouter un point d'accès des visiteurs. Donc les visiteurs pourront rentrer dans le parc par cet endroit également. Ça va donner un peu plus de vie à ce quartier. Je vais également revenir sur cet hôtel. Ce bâtiment ne sera plus un hôtel. C'est pas très logique d'avoir un hôtel au milieu du parc. On doit y accéder par l'entrée avec ses valises et tout. Il n'y a pas de parking. Donc on va supprimer cet hôtel, pas le bâtiment. On va le garder. Il servira à d'autres choses. Mais ce ne sera plus un hôtel. Vu qu'on a de la place, ben, on va placer sûrement d'autres hôtels à d'autres endroits. En périphérie du parc, donc on aura l'hôtel style western, on pourra peut-être en faire un ici style horreur. Je ne sais pas encore où, mais je pense qu'il y aura deux ou trois hôtels, peut-être ici, peut-être vers le parking, à réfléchir encore. Sinon, pour revenir à cet endroit, j'imagine qu'à côté de l'hôtel, on pourrait faire ici une zone où on pourrait faire des spectacles western. Un truc du genre pour donner un petit peu de vie à cette nouvelle zone. On verra tout ça aussi par la suite. Et le gros défi va être d'essayer de casser cette ligne droite en rajoutant des bâtiments ici. Par exemple, pour le Dark Ride SOS Fantôme, on pourrait faire un staging, profiter de faire ça. On va essayer de trouver d'autres accès au parc. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a peut-être une possibilité ici dans le quartier Retour vers le futur. Alors au début, je pensais faire ça dans le coin ici, sous l'affiche, mais il n'y a pas assez de place. Il y a le coaster qui arrive par ici. Donc pourquoi pas faire un accès par le bâtiment ici, par la mairie de Retour vers le futur. Je pense que c'est quelque chose de possible. On va réfléchir à tout ça. Et pour la limite vers la zone Seigneur des Anneaux, ça va être un petit peu plus compliqué. Ah, j'imagine qu'on va rajouter du relief, enfin terminer ce coin un petit peu mieux. Faire un staging peut-être aussi pour l'attraction de Studio Tour. Tout ça est à voir, plein de nouveaux projets sur lesquels je dois réfléchir et sur lesquels vous pouvez bien sûr me donner des idées. C'est le bienvenu. Pour le reste des limites, ben, ça ne va pas être un problème vu qu'il n'y a pas encore de construction de fait.
Voilà, en résumé, je suis super content d'avoir pu repousser les limites de ce parc. Ça ouvre de nouvelles perspectives. On va être sur quelque chose de beaucoup plus réaliste que ce carré posé au milieu de la nature. Donc encore une fois, merci à Alban 12 pour cette astuce bien utile. J'étais un petit peu frustré par ces limites du parc. J'avais pas pensé à tout ça au début de la construction. Ça va permettre de corriger pas mal de défauts à ce parc. Pendant qu'on parle de défauts, il y a encore quelque chose que j'aimerais corriger par la suite, certainement. Ça concerne le feu d'artifice. Alors, je suis content de son emplacement avec ce système d'éclairage sur le complexe du lac. Ça, je trouve plutôt cool. Par contre, ce qui n'est pas trop adapté, c'est l'endroit où l'on peut regarder ces feux. L'orientation de ces feux d'artifice sont dirigés contre le quartier Toy Story. Si on prend une ligne droite, ça donne juste ici. Et je pense qu'on va modifier cet endroit. Quelqu'un m'en avait déjà parlé. Ce serait bien de faire une petite tribune qui soit vraiment dédiée à ces feux d'artifice. Je ne sais pas encore comment on va faire tout ça, mais il y aura, je pense, pas mal de changements ici à l'avant de ce quartier Toy Story. Et encore une fois, je trouve que ça va être intéressant de devoir modifier des quartiers qui sont déjà construits avec les contraintes qui en découlent. Mais on verra tout ceci bien plus tard. Pour l'instant, je crois qu'il est grand temps de revenir dans notre quartier pirate. On va essayer de terminer toute la zone en bas du quartier, toute cette zone ici. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire dans cette zone? Il y a l'entrée de l'attraction de la pieuvre. Il faut faire un petit panneau. Il y a cette zone ici qui est encore un petit peu vide. Et on va surtout s'occuper du pont qui nous mène à ce quartier. C'est donc parti pour le deuxième accéléré de cet épisode. À tout à l'heure.
Et voici notre pont, tout joli, tout neuf. J'en suis plutôt satisfait, il donne plutôt bien. Je me suis également occupé de faire ici une fontaine de décoration avec ces petits effets d'eau. Ouais, c'est pas top top, c'est pas évident ces effets d'eau. En tout cas, moi j'ai un petit peu de la peine à les faire, mais on comprend ce qui se passe. Sinon, j'ai posé un petit panneau d'indication juste ici, ce qui me fait penser qu'il manque pas mal de panneaux dans le parc. Il faudra en rajouter un petit peu partout. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus drôle à faire, mais on le fera plus tard. Sinon, j'ai également travaillé un petit panneau ici pour Tangaroa. J'ai travaillé une image qu'on va mettre tout de suite. La voici. Tangaroa, pirate en détresse. Une attraction qu'on terminera certainement après les résultats du concours. Sinon, j'avais oublié de vous montrer, hors épisode, je me suis occupé de quelque chose qu'on m'avait signalé. Les cordages ici dans la file d'attente, je les ai remontés. J'ai rajouté ces petits piquets, du coup les cordages sont plus hauts et plus personne ne peut se coincer les cheveux dedans. On va revenir sur les commentaires que vous m'avez fait au dernier épisode, mais juste avant, je voudrais déjà changer ici la couleur des objets de la boutique souvenir. Donc on va choisir le noir comme couleur de quartier. Donc j'avais tout fait en brun, on va vite changer tout ça. Donc tous les petits objets à vendre sont maintenant aux couleurs de la zone qui sera le noir. Vous êtes bien actifs dans l'espace commentaires, ce qui me fait super plaisir. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires, beaucoup d'encouragement, de conseils, de remarques. Et j'avais sollicité votre aide pour trouver des noms pour l'attraction de la pieuvre et de la taverne. Vous avez répondu présent à l'appel, on va donc mettre ces noms sur ces deux éléments. On va commencer par l'attraction de la pieuvre. Vous êtes plusieurs à avoir suggéré le nom Octopus. Alors effectivement, ça va bien, mais je trouve ça un petit peu, peut-être un petit peu trop basique. Au final, j'ai choisi un nom qui nous a été proposé par Ben du 07, The Symphony of the Sea. Alors, je vais devoir faire le panneau en deux parties, car le nom complet ne tient pas sur un seul panneau. Donc, voici ce nouveau panneau. Cette attraction a maintenant un nom, Symphony of the Sea. Concernant la taverne, j'ai reçu pas mal de propositions. Il y a JB85 GoPro qui nous propose le boucanier. Claire Dark qui nous fait un petit jeu de mots, la Suisse Romand. En précisant que les pirates ont besoin d'un petit endroit neutre pour se reposer. Mais ça ne va pas aller car quand on est trop neutre, on a tendance à pas trop se mouiller. Et un pirate ne doit pas avoir peur de se mouiller. Sinon, Gilous112112 nous propose le timonier. Et il y a Seb1015 qui propose que je fasse un nom avec mon prénom. Alors on pourrait faire la taverne de David ou David's taverne. Mais David's Taverne, je trouve que ça sonne plutôt comme un bar à cocktail ou un bowling. Et je ne suis pas sûr que les pirates aiment faire du bowling. Bah tiens, on va leur demander pour être sûr. Bonjour monsieur, est-ce que après une bonne journée de pirate, vous aimez faire un petit bowling en buvant peut-être un petit cocktail? Je sais pas, je vous pose la question. Ok, je vais prendre ça pour un an. Du coup, j'ai choisi un nom qui m'a été proposé par Mika GYT, qui avait un restaurant qui s'appelait La Taverne de l'Épée. Alors, à nouveau, j'ai pas assez de place sur le panneau pour écrire le nom complet. J'ai donc transformé ça en Taverne l'Épée. Du coup, on va changer l'enseigne au-dessus de la porte. On va mettre une épée, que voici. On va rajouter quelques petites décorations et remettre le nom juste ici. Donc voici notre taverne l'épée, le meilleur endroit du village pour aller boire un bon rhum en bonne et mauvaise compagnie. Pour terminer la partie commentaires, on va revenir un petit coup dans le Dark Ride, pour lequel vous m'avez aussi fait quelques petites suggestions. La première vient de Jean-Michel Schaeffer, qui nous dit qu'on voit peut-être un peu trop la séparation entre les écrans dans le coin juste ici. C'est vrai, donc il propose de mettre un panneau écran à 45 degrés pour casser cet angle. On va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Je trouve l'idée plutôt bonne. On va le régler comme ceci. Et c'est vrai que c'est déjà mieux.
Alors, on pourrait peut-être même en mettre un deuxième encore pour vraiment faire une sorte de petit arrondi. Si je mets celui-ci comme ça, ouais, c'est pas trop mal, je trouve que c'est mieux. Bonne idée. Alors, évidemment, les panneaux ressortent ici, mais vu qu'on peut agrandir notre parc, c'est plus un problème, on pourra cacher ça assez facilement. Nicor59 me fait remarquer que les spots que j'ai mis pour faire l'effet de nuit qui tombe ne sont pas terribles. C'est vrai, peut-être un peu de flemme de ma part sur ce coup-là. On va les mettre sur des supports, ce sera mieux. Il propose aussi que je change de spot, mais j'ai choisi ceci car c'est vraiment ce qui éclaire le plus. Et je vous dis que j'ai pas mal galéré avec le séquenceur pour que ça fonctionne, donc j'ai pas envie de tout changer. On va simplement les mettre sur des supports pour que ce soit plus réaliste. Voilà qui est fait. Vous êtes quelques-uns à m'avoir dit aussi que cette salle était peut-être un petit peu vide. Mais bon, je vais laisser ça comme ça correspond à la storyline. Toilex69 m'a fait une proposition de storyline un petit peu différente. Mais voilà, tout est déjà couvert, j'ai pas envie de faire de grands changements ici. Peut-être ici mettre un petit peu plus de lumière, car de nuit c'est vrai qu'on voit pas bien tous les détails de cette tempête. Il y a aussi la partie où nos deux jeunes pirates vont sortir de cette tempête, aidés par le dieu Togaroa qui est à travailler. On fera tout ça quand on s'occupera de la thématisation de cette attraction après le concours. Concours sur lequel on va revenir à présent pour terminer cet épisode. On va faire un petit pointage. On va voir où on en est au niveau de la réception de vos projets. Depuis le dernier épisode, j'ai reçu deux nouveaux projets, ce qui nous fait un total pour l'instant de 10 projets. Donc, on a reçu celui de Nicor59 et Jean-Michel Scheffer. Alors, je boucle cet épisode jeudi matin. Peut-être que vous m'avez envoyé votre projet depuis, mais si ce n'est pas le cas, vous avez jusqu'à demain pour rendre vos projets. Donc, 21 mars, 23h59, ne rendez pas votre projet en retard, sinon il ne sera pas pris en compte. On pourra découvrir ces projets la semaine prochaine, puisque les résultats du concours seront le dimanche 28 mars en mode heure d'été. Il est fort probable que l'on fasse deux épisodes là-dessus afin de bien regarder tous vos projets. Vous avez certainement pris pas mal de temps pour réaliser ces projets. Donc moi, je vais aussi prendre mon temps pour bien mettre en valeur votre travail. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le début de ces résultats. Il se pourrait qu'au courant de la semaine, il y ait encore un petit épisode avant. J'ai pas mal avancé sur une autre partie du parc, surtout sur l'agrandissement de ses limites. Ça m'a donné plein d'idées, ça m'a donné envie de construire. Donc, il y aura certainement un épisode au courant de la semaine. Pour vous donner un petit indice sur ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est un épisode qui va prendre beaucoup de place. On se retrouve donc en milieu de semaine prochaine pour un nouvel épisode et dimanche prochain pour le début des résultats de ce concours. Je me réjouis vraiment de vous montrer tout ça car vous avez fait du super travail. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé. Merci aussi à ceux qui m'envoient des messages là ces temps, qui sont en train de remonter tous les épisodes. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Je lis toujours vos commentaires avec plaisir. On se quitte avec un petit teaser des projets que j'ai déjà reçus. Moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!